Je suis Isabelle de Rune, je suis professeure d'anglais au lycée Saint-Sauveur et responsable des relations internationales. Bonjour, je m'appelle Georgia, je viens des Royaumes-Unis et j'ai 19 ans. Ça fait plus de 15 ans que nous recevons des SVE et ça se passe très bien. On est très contents de l'apport culturel de ces jeunes dans notre lycée. Et donc, j'ai fait un entretien. Après, je m'inscris pour faire un SVE. Et j'attendais. Et j'étais acceptée d'aller au lycée. Le SVE est intégré avec le service de scolarité, l'équipe d'animation. Et elle. Cette année, par exemple, suivant ses compétences, elle est chef de chorale. Les métiers qui m'intéressent, c'est le travail avec les gens, l'interconnaissance entre les langues, les pays. Et aussi, je suis créative, donc j'ai beaucoup fait les arts, fait la musique. Mais je voudrais savoir peut-être faire une combinaison des deux. Cette année, on a une jeune anglaise, donc elle intervient dans les cours d'anglais de façon également ponctuelle, à l'appel des différents professeurs. La SVE est là aussi pour aider l'équipe d'animation de façon ponctuelle. Elle fait reporter des différents événements qui ont lieu au lycée. C'est toujours des atouts parce que ce sont des jeunes et ils apportent un sang neuf au sein du lycée. Puis c'est pour les élèves aussi un repère et puis une autre façon de voir partir à l'étranger, qu'est-ce que ça peut apporter. Et ils ont l'occasion de lui poser beaucoup de questions là-dessus. Oui, c'est très différent de chez moi. J'habitais à The Lake District. C'est à la campagne, c'est complètement beau, c'est petit quand même, mais je trouve que Fredon c'est plus petit. Donc maintenant je m'habitue de voir de la vie, peut-être moins vite, tout ça, mais ça me plaît quand même. Et j'habite pas trop loin de Rennes aussi, et quand Rennes est très vivant, très dynamique, quand j'ai besoin de quitter Fredon si tu veux. Je vais là-bas, je fais les courses, je visite les magasins, les musées, il y a toujours les expositions. Et quand j'ai besoin de reposer un peu, je rentre à Redon. Je suis là toutes les semaines pour faire le point avec elle, voir si tout se passe bien. Elle peut me contacter n'importe quand pour... Dernièrement, la volontaire a eu quelques soucis médicaux, donc je l'ai aidée aussi pour ça. On est là pour soutenir, pour aider et pour voir pour que le séjour se passe le mieux possible en fait. Ma tutrice, elle s'appelle Isabelle Derulle. Elle est prof d'anglais dans le lycée où je travaille. Elle est très accueillante, elle adore faire la cuisine, accueillir les gens chez elle. Donc oui, et sa famille est très sympa aussi. Je suis contente. Depuis quelques années, là, les jeunes volontaires, je les connais. Elles habitent sur Redon et moi aussi. Et donc ça facilite les échanges. Et puis elles ont eu l'occasion de venir chez moi, connaissent ma famille. Deux d'entre elles ont fait des ateliers lors d'anniversaire de mes enfants. Enfin, c'est un atout culturel très intéressant et pour moi, mais aussi pour Redon, c'est un plus pour la ville.